Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est tout à fait logique. Alors, la semaine dernière, eh bien, nos cœurs ont saigné, piétiné par l'absence de Natacha Polony, partie en Turquie servir de modèle cheveux au sein de la clinique d'implants capillaires TIF+. Natacha, vous êtes le rempart moral de ces lèvres d'eau. Quand vous n'êtes pas là, Aurélie part tellement en sucette qu'elle reçoit des SMS de Pierrot Gourmand. Alexis Michalik, en effet, était venu avec la flamme olympique, comparé déjà par Michel Simès à un suppositoire. Un Pierre de Coubertin se retourne tellement dans sa tombe qu'il a la même vie que la viande à kebab. Vous avez déjà vu du suppositoire dans cette forme, ça, hein. Ils ont rarement les deux bords comme ça. Oui. Et d'ailleurs, c'est avec l'autre bord qu'on... Ouais. Et d'ailleurs, c'est avec l'autre bord qu'on... Trois points de suspension, voilà. Cette émission, c'était comme un texte à trous. Et c'est là que je réalise que ce que je viens de dire est à la fois bien vu au niveau de la thématique, voilà, et très gênant. Aurélie, qui a tout osé, libéré, délivré, vous n'aviez plus de limites. Ça vous excite ou pas de l'avoir en vrai Dire à Simès qui est chaud comme un panini trois fromages, ça vous excite. Ça revient à présenter à Jack Lang une photo de lui-même. Ça aboutit à trop de désir. C'est bien le désir quand il est partagé. Vous savez, quand il n'y a pas d'emprise de l'un sur l'autre. Prenez l'histoire de Judith Godrèche. Ce sont des adultes, des papas, des darons, quoi, qui se mettent sur une fille de 14-15 ans. Mais vous êtes sérieux? Vous savez, j'ai eu 14-15 ans. Je n'ai pas toujours été cet adulte que sur YouPorn, on trouverait dans la catégorie centriste mature. Une sorte de François Bayrou, mais qui ferait moins sa diva. Et je me souviens de la fragilité des filles de 14-15 ans et de celle des garçons de 14-15 ans. Parce qu'on est souvent perdu et on ne sait pas où on va, comme Manuel Valls quand il fait la tournée des partis politiques avec son CV. Et avant d'être chroniqueur star sur la télé publique, oui, ça c'est moi, j'ai passé des années à regarder d'autres chroniqueurs. Muriel, je me rappelle d'une émission de Stéphane Bern qui était alors dans ce que Jacques Dessange a appelé sa période, eh bien, caniche dorée. Hein, vous aviez un divan et vous invitiez les stars à parler d'elles, alors que vous-même aviez sans doute tellement de choses à dire et pas d'espace pour le faire. Vous étiez aussi désarmé qu'une personne qui a un transit parfait et qu'on aurait inscrit à un concours de pétomane. Et enfin, là, ça y est, cet espace, bah, il existe. Il a fallu si longtemps pour que les femmes puissent voter et encore tellement plus longtemps pour que les femmes puissent juste parler. Alors, je vais être honnête, pour moi, l'hypnose, c'était Mesmer qui, à la télé, fait faire la poule à Baptiste Giabiconi. Je découvre que l'hypnose a une face sombre. Et sur France Inter, qui est une très belle radio, surtout à midi 10 du lundi au vendredi, Judith Godrèche a déclaré « Je regardais Benoît Jacquot comme une figure paternelle. » Parce que oui, spoiler pour les quadra et plus, il y a moins de chances qu'une ado vous trouve excitant que le Parti socialiste en ait créé la surprise à la présidentielle 2027. Voilà, moi j'ai 50 piges. Bon bah, quand je passe devant un lycée, je sais que je peux venir sans capote. Et vous savez quoi? L'idée ne me viendrait même pas. Pourtant, des perversions, j'ai vu tous les films avec Kev Adams. Et si, parce que tout peut arriver, une 14-15 ans vous drague alors que vous en avez 40, 50 ou plus, les phrases que vous cherchiez en vain sont « tu rigoles, enfin, je m'habille chez Devrette », ça va pas être possible. Vous avez des pulsions inassouvies, vous avez une main, le problème est réglé. Et puis avant de partir, eh bien un coucou à Michel-Édouard Leclerc qui était déjà invité ici en septembre. Je dois être le seul à plus croiser Leclerc qu'à aller chez Leclerc. Et ça, ça s'appelle le showbiz. Alors Natacha, ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes mieux que votre remplaçant. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez ce qu'il a osé faire, ce salaud? Eh bien, il ne m'a pas applaudi. Regardez. Oui. Marcelo n'applaudit pas. Voilà. Et là, je voudrais...